avons ici Tony Edwards. Tony Edwards est un des managers de Deep Purple depuis 8 ans maintenant. J'aimerais que tu nous dises, Tony, un petit peu tous les petits problèmes qu'il y a, mettons le California Jam, les problèmes de matériel, de personnel qu'entraîne un groupe sur la route. Oh, je me rappelle d'une chose avec California Jam. Nous avons eu une équipe de 30 hommes, 30 personnes alors. Nous avons eu même une infirmière avec nous sur notre avion parce que nous avons eu une telle horreur de manquer cet grand événement. Je voudrais que tu nous dises, là on voit Richie Blackmore en train de casser sa guitare. Je crois qu'il y a eu des problèmes avec la police après parce qu'il y a eu un incendie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? La police a voulu arrêter Richie Blackmore. Non, c'est quelque chose avec le département du feu, les pompiers alors. Nous avons eu deux bombes sur les scènes et on a entendu que le shérif de Californie va arrêter la groupe entière. Alors nous avons tout couru avec toute vitesse après le spectacle à Los Angeles.